Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de la Guinée qu'on a cru où les choses s'accélèrent. Après l'arrestation musclée et la condamnation de Sadiba Koulibaly à 5 ans de prison ferme, Mamadi Doumbouya doit, dans les prochains jours, nommer un prochain ambassadeur pour la République de Guinée auprès de celle du Cuba. Raison pour laquelle nous pensons que ce jour est de plus en plus proche. Et beaucoup de spéculations font bon train sur les réseaux sociaux. D'autres pensent que Bala Samora sera bombardé ambassadeur de la République de Guinée auprès de celle du Cuba. Car comme vous le savez bien, Mamadi Doumbouya est en froid avec Bala Samora et c'est une occasion idéale pour lui pour se débarrasser de ce dernier. Étant donné que l'armée erre contre le pouvoir de Doumbouya, Doumbouya ne peut que s'appuyer sur la gendarmerie pour assurer ses arrières. Raison pour laquelle Mamadi Doumbouya devrait faire le grand ménage au sein de la gendarmerie nationale et nommer quelqu'un de plus proche et très confiant au poste de commandant en chef de la gendarmerie chargé du tribunal militaire. Et beaucoup de personnes pensent que Amara Camara est mieux placé pour occuper ce poste cumulé à celui du secrétaire général de la présidence. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.